quand le premier déligné a commencé, il faisait de la polyculture. Il n'y avait pas que de la vigne à Moret-Saint-Denis. C'était après la crise du phylloxéra. Et c'était des arbres qui étaient au milieu des vignes. Et puis avec la mécanisation dans les années 60, 70, l'enjambeur que vous avez vu tout à l'heure, c'était gênant d'avoir un arbre au milieu de la vigne parce qu'on ne peut plus enjamber rang. Donc tous ces arbres ont été coupés. Je représente la cinquième génération de la famille lignée. Donc voilà, c'est une suite un petit peu d'un domaine familial où on s'est transmis un petit peu, transmis le savoir-faire, la façon de faire. Après, chacun apporte bien sûr sa pierre au moulin. C'est important de créer une unité familiale. D'ailleurs, vous avez pu voir pendant les vendanges, hein, il y a des cousins, il y a des neveux, il y a des enfants, et ça, c'est important pour créer une bonne ambiance, une bonne entente familiale. Voilà, c'est mon souhait et mon projet pour l'avenir.